Et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être sur le magnifique golf blue green de sate Maxime sur le trou numéro 18. C'est un par 5 d'environ 435 mètres pour aller chercher le green. Potentiellement deux, si je veux un birdie assuré. Mais ce que je veux vous montrer à travers cette vidéo aujourd'hui, en partenariat avec Garmin, la, particulièrement la Garmin S62 que j'ai sur le poignet et GolfPlus.fr, c'est de vous montrer à travers une meilleure stratégie de jeu. Comment vous pouvez concrètement baisser votre index, améliorer votre score quand vous êtes sur le parcours. Je pense sincèrement que la stratégie de jeu est un des éléments les plus sous-estimés chez les amateurs de golf qui ont tendance à beaucoup travailler la technique, mais combien de fois est-ce que vous prenez le temps le jour d'avant de regarder peut-être le parcours sur l'application et puis concrètement regarder un petit peu bah voilà, qu'est-ce que je dois faire le lendemain pour me permettre de faire le meilleur score possible. Je vous garantis qu'avec votre jeu que vous avez actuellement, le swing que vous avez actuellement, vous pourrez améliorer votre score de 3 à 8 coups, dépendant de votre niveau de jeu, avec une meilleure stratégie de jeu. J'ai le plaisir tous les ans d'aller sur le circuit européen environ 5 à 8 fois et de croiser mes amis qui jouent sur le circuit, notamment les joueurs français et leur caddie. Et je prends tellement de plaisir le lundi, mardi, mercredi à échanger avec eux et leur caddie pour savoir exactement comment ils s'organisent entre pilotes et copilotes pour leur permettre d'optimiser leur jeu au maximum tout au long de la semaine. Et vous savez, le lundi, mardi, vous verrez souvent les caddies si vous avez l'occasion d'aller à l'Open de France, au Golf National. Essayez d'y aller en début de semaine si vous pouvez, le lundi, mardi, et regardez sur le parcours le nombre de fois où vous verrez un caddie tout seul, avec un carnet, et juste en train de marcher sur le parcours. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de récupérer toutes les informations possibles sur chaque trou pour permettre aux joueurs de prendre la meilleure décision possible. Donc, malheureusement, vous n'avez pas un caddie professionnel à votre disposition toutes les semaines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, et la Garminia 62 c'est comme si vous avez votre copilote à bord sur votre poignet gauche directement qui vont vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour faire le meilleur score possible sur le trou. Donc, le par 5 aujourd'hui, j'ai décidé de le jouer de deux façons pour vous montrer concrètement comment je vais jouer d'une façon un peu plus offensive en jouant le driver sur le départ, et essayer d'aller chercher le green en deux. Et ensuite, le, la, la, la deuxième option va être le safe, le, le, le safe shot. Donc, première option, je vais chercher le birdie, potentiellement le eagle. Et la deuxième option, ça sera un par maximum. Okay le par 5, ici, c'est un trou qui est assez compliqué. Et la raison est simple, c'est parce que quand on regarde le trou du départ, en fait, ce trou favorise plutôt les joueurs qui ne sont pas forcément longs. Et la raison est simple, c'est parce que ce trou est assez étroit. Donc, le joueur qui est sur le départ blanc ici, qui veut jouer à un driver, honnêtement, en compétition, s'il n'y a pas de vent, peut-être. Mais, en l'occurrence, la majorité du temps, ce qui va se passer c'est que beaucoup de joueurs qui tapent, qui tapent la balle suffisamment loin vont prendre peut-être un bois 3 ou un hybride sur le départ pour assurer d'aller chercher le fairway. Le plus important ici, c'est la mise en jeu. Parce qu'une fois qu'on a la bonne mise en jeu, le trou finalement devient assez facile. Mais la mise en jeu, elle est compliquée parce que qu'on a, on a l'obstacle d'eau qui est à gauche des bunkers, on a le hors limite à droite, on a des arbres qui sont juste à l'entrée ici à environ à 150 mètres. Et on va, regarder, on va regarder tout ça en détail sur la montre. Donc déjà au niveau de la mise en jeu, je sais que si je loupe des deux côtés, quoi qu'il arrive, j'ai des points de pénalité qui à prendre, que je dois commencer à prendre en compte. Donc driver, un coup qui est compliqué à jouer. Par contre, le retour sur investissement est génial. Et c'est pour ça que je parle toujours, quand on parle de stratégie de jeu, je parle de retour sur investissement. Quand vous effectuez une mise en jeu, est-ce que ça vaut le coup est-ce que si je tape un, un, un super drive, combien, combien de mètres est-ce qu'il va me rester de derrière D'accord Donc c'est là où je regarde la montre. Rapprochez-vous, on va regarder ça en détail. Hop. Et c'est là aussi je rentre sur le trou en détail. Hop. Donc quand je clique sur l'écran principal, on est désolé par avance parce qu'il y a les jardiniers qui sont en train de passer. On leur, on leur fait un petit coucou. On va, on va juste attendre que le jardinier passe. On lui fait un petit coucou. <laughs> et en même temps, ce qui va se passer, c'est que regardez, quand je suis sur la montre je vois que concrètement, la montre m'affiche 390 mètres au drapeau. Okay Quand je clique sur la montre ici, 387 mètres jusqu'au green. Donc ce n'est pas un long par 5, hein mais par contre il est, très il est très technique. Donc ce que j'ai besoin de savoir, c'est si je clique une fois sur la montre, je commence à avoir les différentes obstacles, les distances par rapport aux différents obstacles. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est que si je tape mon drive à 240 mètres, ce qui est un peu moins que ce que je tape d'habitude, il va me rester 150 mètres jusqu'au green. Donc ça, ça commence à devenir intéressant parce que là, je vois que si je tape une mise en jeu à 2,40, bah, il va me rester derrière peut-être un fer 7 ou un fer 8. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça ne veut pas forcément dire que j'ai besoin de prendre mon driver, mais plutôt un, plutôt un bois 3. Okay Donc ça, ça va être la première, la première mise en jeu, celle qui va être offensive. Je sais que si je tape à 2,40, il va me rester un fer 7 et un fer 8. Est-ce que je veux prendre le risque de taper une balle à cette distance-là sur la mise en jeu, en sachant que j'ai tout ce danger, en sachant que moi, de mon côté, j'ai tendance à louper. Quand je loupe, je loupe à gauche. Donc il y a l'obstacle à gauche ici. Donc je commence à me faire une idée, ok, si je prends le drive, alors c'est pour ça que cette décision, forcément, je ne la prends pas sur le départ. Hein. Je la prends le jour d'avant, je commence à réfléchir à comment je vais m'organiser sur ce par 5. Et donc là, je commence à me dire, ok, si je joue un fade, si je m'aligne sur la partie gauche de ce trou, qui est le coup que les joueurs professionnels feraient. Sur ce trou ici, parce qu'on ne jouerait jamais euh, vers leur limite et vers, en, en sachant qu'il y a l'obstacle d'eau à gauche. C'est plutôt, plutôt plus safe de jouer vers les bunkers sur la partie gauche de ce fairway en sachant que derrière les arbres, et là vous le verrez parce que je vais, je vais essayer de voir si je peux incruster un flyover du trou, mais quand je vis sur la partie gauche de ce, de ce trou, même si je fais un gros cut, si je fais un gros gros fade, je vais toujours me retrouver sur la partie droite de trou qui est beaucoup plus ouverte que la partie gauche. D'accord Donc, il faut savoir que les bunkers qui sont placés sur la partie gauche, ils ont été placés vraiment pour freiner les balles, pour, pour permettre aux amateurs de ne pas avoir la balle qui sort sur l'obstacle d'eau. Donc, en réalité, c'est pour ça que ces, ob... ces, ces bunkers ont été placés là. Donc, si je m'aligne à gauche, au pire des cas, si je tape une balle droite, hein, je suis dans le bunker. Au, au, au meilleur des cas, je suis milieu, je suis milieu du, du fairway. Et au pire des cas, de l'autre côté, ma balle est toujours en jeu. Ok Donc, je commence à me dire que okay, le, le driver, c'est une, une option qui est pas mal. Maintenant, si je veux jouer sur l'option numéro 2, où là je vais prendre le hybride, rapprochez-vous, là je commence à regarder 387. Ok, donc 387, combien est-ce que, est que je dois faire, par exemple avec mon hybride Donc voilà, là je vois que j'ai 208 mètres à faire euh, avec mon hybride pour aller chercher le milieu du fairway. Et là par contre, ça va être compliqué d'aller chercher le green en deux parce que la, le deuxième coup va avoir une distance beaucoup plus importante. Donc tout se joue sur le deuxième coup. Est-ce que je veux taper un fer intermédiaire pour aller chercher le green et m'assurer le birdie Ou est-ce que je veux la jouer de façon un peu plus safe, taper un coup à 200 mètres, taper un deuxième coup avec un fer 8 qui va me laisser environ 100 mètres Donc l'attaque de green est primordiale. Je dis toujours que le golf c'est comme un jeu d'échecs. Vous devez positionner votre pion pour le prochain coup. Donc même si pendant le coup on reste dans le moment présent, je, quand je suis sur un par 5, je réfléchis toujours du green jusqu'au départ. Quelle est la taille de green que je souhaite avoir Donc, si je joue safe, je veux avoir un troisième coup à environ une centaine de mètres pour aller chercher le green, à moins de 100 mètres si possible. Si je veux attaquer le green et que j'ai un driver, je prends le risque, il y a tout le danger qui vient en jeu. Combien est-ce qu'il euh, est qu va me rester 150 mètres. Bon, bah 150 mètres, moi j'aime bien. Moi, ça, faire 7, faire 8, moi ça, j'aime beaucoup. Donc, allez, maintenant on va jouer le coup. Option 1, driver. Alors regardez où je me mets aussi par rapport au, au départ. Regardez où je me positionne. Je suis sur la partie droite du départ. Pourquoi Quand je vais jouer en fade, rappelez-vous, je vous ai dit avec le driver, je vais m'aligner sur les bunkers à gauche et je veux que ma balle fade vers là où il y a le jardinier au milieu du, du fairway pour l'instant. Il va, il va bientôt se décaler. En tout cas, il va se décaler si je tape dessus. <laughs> Donc, si je m'aligne sur la partie gauche de ce trou, concrètement, je me positionne sur la partie droite du départ. Pourquoi Parce que maintenant j'ai le trou qui s'ouvre à moi j'ai plein de place si je m'aligne à gauche je peux louper à droite alors que là regardez si je me positionne sur la partie gauche et que je vise au même endroit maintenant j'ai beaucoup moins de place à droite visuellement le trou devient beaucoup plus compliqué ok alors j'ai mon papa qui a la caméra derrière qui est en train de gérer donc vous inquiétez pas clique deux fois dessus voilà peut-être parce que tu tiens le micro un peu dur <laughs> c'est pas grave donc on va se remettre de ce côté là papa et donc là maintenant je vais m'aligner sur la partie gauche du fairway, je vais faire quelques swings, je vais visualiser mon fade. Okay. Je vais essayer de ne pas toucher le jardinier qui est, <laughs> qui est en plein milieu du fairway parce que c'est pile poil sur ma distance. Alors papa si tu le veux bien tu, tu, tu m'autorises. Je vais commencer plutôt par le hybride pour éviter de taper le jardinier peut-être parce que ça serait dommage. Ça serait dommage de, 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 de le taper, de blesser, de blesser le, le jardinier qui ont été tellement bons durant le, durant le deuxième confinement. Donc je vais prendre une deuxième balle Hop. et je vais, jouer mon, je vais jouer mon coup de sécurité pour commencer. Donc mon coup de sécurité, je vais l'effectuer avec un hybride parce que rappelez-vous ce que je veux c'est taper une balle à 200 mètres pour ensuite effectuer un deuxième coup d'environ 130 mètres pour avoir un troisième coup qui sera beaucoup plus simple. Okay Allez c'est parti, hybride en main. Là cette fois-ci je vais jouer le milieu du fairway. Parce que l'hybride, je joue assez droit. Et mon hybride, je vais le jouer pour 220 mètres à peu près. Ok, c'est parti. Ok, ça là, est parti. Vraiment pas mal du tout. Elle va retrouver le milieu du fairway. Génial. Ok, ça là, est parfait. Bon, c'est ça qui est top, c'est que quand on joue un coup de sécurité, finalement, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de danger. Du coup avec un hybride, évidemment la balle aura beaucoup moins de dispersion qu'avec un driver, pour la simple et bonne raison que, puisqu'il y a moins de vitesse, bah déjà, moins de vitesse veut dire moins de dispersion, moins d'effet, en quelque sorte. Okay alors, je récupère un petit pour l'option maintenant un peu plus offensif. Et après, on va commencer à regarder un peu, un petit peu. Alors, je, alors une, autre, une autre petite astuce, ce qu'on doit faire, Enfin, ce qu'on doit faire, ce que je vous préconise, si vous voulez jouer un fade, on se place sur la partie droite. Et une autre petite chose que je fais, c'est que je tie la balle un peu plus bas. Okay Souvent, on sous-estime l'influence de la hauteur du tee. Quand je fais un draw, je la tie beaucoup plus haut pour avoir trois tiers de la balle au-dessus de la tête de club. Quand je veux jouer un fade, je mets la balle presque à hauteur, juste en dessous de la hauteur. Donc si vous vous rapprochez, regardez, tiens, rapproche-toi, papa, pour que les gens puissent voir avec le fade, la balle elle est vraiment en ligne. Avec, euh, avec la, hauteur, la hauteur du driver. Okay Donc, balle basse, balle basse aura plus de facilité à aller chercher un fade. Autre astuce aussi, regardez ce que je fais. Donc, on a, on a parlé de si je veux jouer le fade avec le driver, je suis côté droit du, euh, du départ. Je tire ma balle un peu plus bas. Et regardez où je me place par rapport à la balle. Je suis à droite de la balle dans ma routine de jeu. Vous savez pourquoi Parce que quand je suis à droite de ma balle, visuellement, j'ai plus de facilité à visualiser le fade. Alors que quand je veux jouer un draw, je me place sur la partie gauche de la balle. Parce que je vais visualiser une balle qui va partir et qui va, et qui va avoir une trajectoire prononcée vers la gauche. Donc ça aussi, dans votre routine de jeu, ça sera beaucoup plus facile d'attaquer le fade de cette façon-là. Parce qu'on se place auto automatiquement pour jouer un fade. Okay Allez, deux coups d'essai. Et on y va. Vous avez vu la vue qu'on a un, là sur le trou Magnifique hein, avec le, la baie de Saint-Tropez là-bas. C'est un de mes trous préférés ici visuellement. J'adore ce trou. Et celle-là, elle est parfaite. Elle est parfaite. Super. Milieu du fairway. Milieu du fairway, j'adore ça. J'adore. Donc, bon, alors aujourd'hui, en l'occurrence, j'ai fait deux belles mises en jeu. Vous savez... Euh, ça me fait du bien aussi de faire cette vidéo parce que stratégiquement, quand j'arrive sur ce trou, ça a toujours été un trou compliqué pour moi parce que j'ai toujours tendance à faire de l'overdraw avec mon driver. Et, euh, et donc, en, en discutant avec mon papa hier soir sur la stratégie de jeu, on parlait de ce trou et comment on allait s'organiser. Mon père est un, est un fader naturel. Il me dit, tu sais, moi, quand je suis sur le trou numéro 18, je me place sur la partie gauche avec le driver. Et je l'attaque par la partie gauche parce que je sais qu'au pire des cas, si je fais un gros cut, je me retrouve derrière les arbres. Et vous verrez de quoi je parle dans quelques instants. Et moi qui a toujours de visual... facilité à visualiser la trajectoire de l'autre côté, quand je suis au-dessus de la balle, j'ai toujours... toujours moins de facilité que mon père à être au-dessus de la balle et à visualiser la, la, le, le drive correctement. Donc moi, je me retrouve souvent à faire un, un, le safe shot ici parce que je ne suis pas forcément à l'aise avec le driver. Donc le plus important, c'est de comprendre... Là où vous vous sentez le plus à l'aise. Si vous êtes un super driver de la balle... Prenez le driver. Si vous voyez que vous avez un peu de difficulté, que vous avez parlé de dispersion, prenez le hybride. D Toujours prendre le club où on se sent le plus à l'aise. ok Alors, prenons le sac maintenant, on va descendre, on va rejoindre la voiturette et on va aller jouer, on va aller jouer le, le trou depuis le départ, depuis le, 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 le milieu du ferroir, pardon. Là, j'ai deux options, encore une fois, rappelez-vous. Hein, si vous venez de rejoindre la vidéo, je vais jouer ce trou de deux façons. Je vais la jouer. L'option 1 en sécurité, c'est la balle qu'on va rejoindre tout de suite, c'est que je vais la jouer en trois coups vers le green. Et l'option numéro 2, c'est celle où j'ai été un peu plus offensif, où je vais l'attaquer en deux et essayer de chercher le birdie facilement. Okay je vous ai parlé de stratégie de jeu. Pas mal hein, sur cette mise en jeu. Je vous ai donné pas mal d'informations. Mais toutes ces informations-là, c'est les informations nécessaires. Et c'est pour ça que je vous invite, le jour d'avant, à vraiment prendre le temps de regarder la stratégie de jeu ou de, de vraiment penser au okay, cas surtout si vous êtes en si vous êtes en, en tournoi ou si vous allez jouer un tournoi entre numéro 18 ici papa tu pas mis d'essence dans la, dans la voiturette Ah, là c'est bon, bon allez c'est parti hop on y va donc Maintenant, je commence à réfléchir à mon attaque de Green. Je commence à me dire, ok, quels sont les éléments que je dois prendre en compte sur mon attaque de Green Donc, concrètement, l'architecte a été un petit peu euh, énervant ici. Pourquoi Parce qu'il a placé un, un énorme pain parasol. On appelle ça un pain parasol, papa Ouais. Donc, ça, <laughs> Donc, il a placé un énorme pain parasol juste devant le Green. Et le pain parasol il est frustrant parce que sur le point de chute si on se retrouve un petit peu sur la partie gauche du trou, ça va être très compliqué en fait euh, d'aller chercher le green. Donc ce qu'on doit faire c'est attaquer le trou de, sur, la, sur la partie droite. Euh, mais à droite, si on est trop à droite, il y a leur limite. <laughs> donc, donc du coup c'est un peu... Euh, il n'est pas, pas évident ici le, le deuxième coup. Et c'est là où... Et c'est là où la Garmin S62 va vraiment m'aider. Je vais prendre... Euh, je vais prendre plusieurs clubs avec moi. Et déjà, j'ai une idée, vous voyez, je, je me mets juste à la hauteur de la balle. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à ma balle avec un télémètre. C'est qu'avec la Garmin 62 de ici, avec, le, avec la montre, je commence à avoir une idée. Papa, si tu, veux, si tu veux montrer un petit peu, tiens, je vais mettre comme ça, ce sera plus facile. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais. J'ai 180 mètres pour aller chercher le green. Ok, 192 au fond. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que encore une fois, je clique dessus. Et combien je dois faire pour mon lay -up. Ok. Donc si je fais 90 mètres, ce qui paraît pas beaucoup, hein, comme ça, un coup à 90 mètres, il me reste 100 mètres. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va aller sur l'option où je vais cliquer sur le fairway. Et je, voilà. Donc je vois que si... Je vais me rapprocher un peu plus, parce que ce que je veux, c'est concrètement. Voilà, c'est exactement ça. Donc je veux qu'il me reste 50, 50, 56 mètres pour aller au green. Okay. Donc je vois que là, si j'effectue un... J'arrondis, hein, si j'effectue un coup à 130 mètres... Moi, j'aime toujours avec ces montres à euh, arrondir, et la raison est simple. Tac. Donc, si je me rapproche, voilà, je prends, vous savez aussi, je peux prendre la flèche et naviguer. au-dessous. ça, c'est génial. Donc là, je me rapproche ici à 50 mètres, je place la flèche là exactement là où je veux, et je, voilà. Donc là, je vois que pour 50 mètres, il faut que je fasse 138 mètres. Donc, je vais rendir à 140 pour garder les choses faciles. Donc, 140 mètres pour moi, je vais prendre un fer 8 tranquille, et je sais que voilà, si je tape un bon coup de fer 8 il Va me rester 50 mètres. Pourquoi est-ce que je pense à ça Il y a les pain parasol devant. Donc, sur mon coup de sécurité, si j'ai si décidé de ne pas attaquer le green, l'élément qui est très important à prendre en compte, c'est ce pain parasol. Je ne veux pas être trop près du pain parasol parce qu'après, je ne vais pas pouvoir effectuer une approche confortable parce que si je tape une balle avec un sandwich, la balle va prendre le pain parasol. <laughs> Donc, il faut que je me place suffisamment avant le green. Pour me permettre d'effectuer un coup de 100 mètres tranquillement sans que le pain parasol vienne en jeu, c'est ça qui est vraiment important et c'est pour ça que je joue pour 50 mètres avant le green. Donc il me reste 140 mètres pour aller chercher ces 50 mètres. Et avec le fer 8, vous me permettez, je place la balle, on est en règle d'hiver. Et là, avec mon fer 8, je peux taper un coup en anglais, on dit easy, j'ai pas besoin de le forcer pour aller derrière chercher. Un troisième coup à 50 mètres. Je vois qu'il y a le jardinier qui se replace, donc je vais reprendre ma petite routine. Petite astuce, encore une fois, stratégie de jeu. N'hésitez pas. Vous savez, entre les coups, ça doit aller vite. Mais pendant que vous êtes en train de jouer, entre 20, 40 secondes, dépendant de, de si vous avez un coup compliqué ou pas. Quand vous êtes devant la balle, ça va durer entre 5 et 8 secondes, ce qu'on appelle la playbox en anglais. Donc, la zone d'action, je l'appelle la zone d'action en français. Mais concrètement, quand je vois qu'un jardinier vient de me gêner, je reprends ma routine à zéro. N'ayez pas peur de ça, puisque je sais que beaucoup d'amateurs se disent oh, il y a des gens qui attendent derrière moi, donc je dois aller plus vite possible. Mais dites-vous une chose c'est que si vous allez vite et que vous loupez votre coup, vous allez prendre plus de temps au final que si vous prenez votre temps et vous tapez un bon coup. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jouer lent. Je suis en train de vous dire qu'entre les coups, ça doit aller vite. Et lorsque vous êtes devant la balle, ça doit aller vite aussi, entre 5 et 8 secondes. Mais la préparation, le temps que vous vous sentez à l'aise, donc ma, ma petite routine de jeu, ça, 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 vous pouvez prendre votre temps. Donc 20, 20 secondes. J'ai pris ma décision. Je prends mon fer 8. Je vais taper la balle à 140 mètres. Il n'y a rien devant moi. 140 mètres, là, il n'y a, a plus de danger. Il n'y a pas de bunker, il n'y a pas d'or-limite, il n'y a rien. Donc je suis très à l'aise avec ce fer 8. Je sais que même si je tape un mauvais coup de fer 8, je vais quand même me retrouver avec un coup confortable au troisième coup. C'est parti. Ça là, elle va être plutôt pas mal. Je l'ai joué un peu sur la partie droite, mais elle va prendre un bon petit kick. Et ce qui est top, c'est que j'ai évité l'arbre. Donc, j'ai visé exprès 5 à 10 mètres à droite pour m'éviter de me retrouver trop sur la partie gauche. Ok Donc, maintenant, on va passer sur l'option numéro 2. Donc, le Lewis, un peu plus offensif, qui va aller chercher un birdie facile. Parce que j'ai fait le taf, Pardon, le travail <laughs> j'ai fait le travail <laughs> sur la mise en jeu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher un peu du, du drive, qui a fait à peu près 25 mètres de plus, 30 mètres de plus. C'était un, un, un drive en fade. Et pour ma part, quand je joue en fade, j'ai tendance à perdre de la distance. Donc, voilà, là, on est à peu près à la hauteur de balle. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je ne vois pas le trou, mais je vais regarder ma montre. Je vais garder la Garmin à 62 on fait un petit zoom. Et là, je vois que donc il me reste 100... La montre est en train de se, se caler, voilà, petit à petit, il va me rester 158 mètres pour aller chercher le milieu de green. Donc 158 mètres, je viens de faire mon fer 8 à 140 mètres. Donc je vois qu'il y a 147 mètres à l'entrée. Bon, pour moi, ça va être entre un fer 8 et un fer 7. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre un fer 7, je vais la jouer tranquille. Il fait un peu froid. Voilà, je vais prendre mon fer 7. Et donc là, maintenant, ça commence à devenir intéressant, le par 5. J'ai tapé à une bonne mise en jeu. Et quand j'ai une attaque de green qui se qui, qui, qui situe à 155 mètres et que j'ai un faire 7 à taper, la vie est belle. <laughs> là, là c'est... Regardez, je suis en plein milieu du fairway. Encore une fois, vous me permettez, je vais placer ma balle. Et donc là, le faire 7, voilà, je recheck re une dernière fois avec ma montre. Et là, je vois 160 mètres pour aller chercher le milieu du green. Donc là, j'ai aucune autre idée que d'aller chercher le milieu du green parce que je vois que le drapeau est situé au milieu voire légèrement au fond okay et regardez rapprochez-vous ce qui est génial c'est parce que puisque je vois le drapeau et que je vais attaquer le green si je clique sur la montre je peux déplacer le drapeau ça c'est incroyable donc là je suis 160 mètres pour le drapeau qui est situé au milieu maintenant regardez ce qui se passe je peux prendre mon doigt sur le drapeau et je peux déplacer le drapeau et là je vois que le drapeau est légèrement au fond donc il est, il est à peu près ici et donc là, je vois qu'effectivement, j'ai 164 mètres pour aller chercher le drapeau maintenant. Ça, c'est top, n'est-ce pas Regardez, je peux le placer au, à l'entrée du green, au fond. Donc ça, c'est juste génial, parce que du coup, quand on a une vraie visibilité sur le drapeau comme j'ai ici, là, c'est top. Une autre option qui est géniale, quand je clique sur la montre, c'est, regardez, je peux voir s'il y a du vent. Alors, le vent, je ne l'ai pas connecté à la montre, euh, pardon, je l'ai pas connecté à l'application Garmin euh, ce matin sur mon téléphone, mais quand je clique sur le vent, il vous donnera les données. Là, il est marqué impossible d'obtenir les données parce que je ne l'ai pas connecté à l'application. Mais concrètement, quand vous connectez l'application, et je vous conseille vivement de le faire, aujourd'hui il n'y a pas de vent, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, mais il vous donnera l'intensité du vent. La dernière fois, j'ai regardé, on était sur le trou numéro 8, on faisait une vidéo sur la stratégie, il y avait 14 km de vent. Et donc ça, ça me donne vraiment des informations importantes, parce que vous le savez, quand on prend une décision, il y a, il y a OK la distance, mais il y a le dénivelé, il y a le vent, euh, et tous ces éléments-là, ou en tout cas le vent, c'est une indication que le monde me donne. Comme un caddie professionnel, le copilote qui va donner l'information à, à, à son pilote, donc le joueur du circuit, il va lui dire, écoute, il y a du vent qui vient vers la droite ou du vent qui va vers la gauche, à telle intensité, donc attention, prends un club de plus ou un demi-club de moins, dépendant du, du coup à jouer. Donc, pas de vent aujourd'hui, 165 mètres pour aller chercher le drapeau, donc du coup, ça va être un bon faire 7 pour moi aujourd'hui. Hein. Ça va être un bon faire 7 pour aller chercher le green. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce faire 7, bah, du coup, même si je tape un peu à gauche ou à droite en termes de dispersion, on va dire si je fais un gros coup à gauche et que je fais 7-8 mètres à gauche, je vais toujours me retrouver avec une approche confortable. Si je tape 7, 7 à, à 10 mètres à droite, je suis dans le bunker. Donc je me dis, j'ai un boulevard devant moi. Quoi. Donc à partir du moment où j'ai effectué le travail sur la mise en jeu, je sais que cette attaque de Green elle va être, elle va être assez, assez facile pour moi. Et encore une fois, je suis en train de prendre tous les risques et je suis en train de me dire, au pire des cas, si je loupe à droite ou à gauche, j'ai quand même l'opportunité de faire le birdie. Allez, c'est parti. Je vais m'aligner sur la partie droite hein, du green. Parce que j'aime bien la jouer légèrement en draw ici. Alors on y va. Et ça, ça va être pas mal du tout. Si c'est ça la distance. Je ne sais pas si c'est assez long. Parfait. Parfait. Je suis 5 mètres à gauche du drapeau. Je ne suis pas forcément à la hauteur. Je crois que je l'ai tapé à environ à 160 mètres. Je vais ramasser le niveau. Allez, en... C'est que le birdie est assuré. J'ai fait le travail. La balle est sur le green, il va me rester 5-6 mètres pour le eagle. Quoi demander de plus Donc deux putts, quoi qu'il arrive pour le birdie, mais dans ma tête, je suis en train de me dire hum, un petit eagle pour terminer le, le 18 au Gold green de saint maxime ça peut être pas mal ça. <laughs> donc vous voyez comment le retour sur investissement est très très bon quand on tape une bonne mise en jeu avec le driver et que derrière il me reste un coup de fer 7, donc un coup intermédiaire, un fer intermédiaire. Forcément, le birdie est assez, est assez facile, mais il faut avoir un peu de coronesse pour prendre le, le, le driver sur le départ, qui n'est pas forcément mon cas tout le temps. Je ne suis pas en train de vous dire que je tape driver à chaque fois sur ce trou. D'ailleurs, au contraire, en général, je la joue d'une façon assez safe sur le départ. Et donc, voyons voir un petit peu. Donc, ouais, super. Ma balle, elle est à, à 4,50 4, m à gauche du drapeau. Donc, ça, c'est pour le Lewis offensif. Je ne suis pas en train de parler de moi à la troisième personne. Hein. C'est juste pour vous montrer que pour ceux qui viennent de se connecter, euh, j'ai le jeu offensif et le jeu un peu plus en sécurité. Et donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon. Hmm, je ne sais pas si je vais la jouer à euh... 58 degrés. Et on va voir combien de. Regardez, tout à l'heure, on, va... on, va, on va descendre pour éviter que mon père se blesse dans la descente. <laughs> Mais regarde, papa, tout à l'heure, j'avais dit que j'allais taper sur le, 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 le Lewis Safe Shot. J'avais dit que je voulais qu'il me reste combien 50 mètres. Et regarde combien il me reste. Non, 51. 51 mètres. 51 ah, mètres. Voilà. Un, un de, de trop. Donc, ça c'était pour le safe shot. J'ai tapé un... C'était un fer 8 tout à l'heure. J'ai dit que je voulais taper mon fer 8 à 140 mètres pour qu'il me reste 50 mètres. C'est exactement ce qui me reste. Donc, ça c'est parfait. Donc, placez un peu la balle, règle d'hiver, rappelez-vous, hein, si vous venez de vous connecter. <laughs> soyez, gentils, soyez gentils avec moi. Donc, du coup, 50 mètres pour aller chercher le milieu du drapeau. Pas mal. En plus, je peux placer le drapeau. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste aller sur déplacer le drapeau. Et je vais voir... Oh parfait. Il est, il est exactement placé là où je veux. Donc j'ai 50 mètres pour aller chercher le drapeau. Génial. Donc troisième coup ici au golf du green de Sainte-Maxime. J'ai une petite approche pour essayer d'aller faire approche putt pour le birdie. Je suis en match play contre moi-même avec le, le Lewis offensif qui a a tapé 4, 4 mètres à gauche du drapeau donc je sais que je dois faire birdie quoi qu'il arrive pour égaliser le trou parce que sinon je vais perdre avec un par. ça c'est trop court ça roule un peu roule un peu je suis pas très content avec ça hein. il va me rester un, un peu de 4 mètres pour 4 mètres pour le birdie ça cette distance là normalement je voudrais être un peu plus court hein. mais bon ça fait partie du jeu en même temps hein. quand on joue un peu en sécurité comme ça voilà, Il faut être un peu moins exigeant avec soi-même. Même si, normalement, avec les approches, on devrait, voilà, on devrait espérer être à moins, de, à moins de 2 mètres sur ce type d'approche à, à 50 mètres. Et là, rien que pour le plaisir, on va finir le putt pour le eagle. Juste pour, pour voir si on peut finir avec un eagle sympa. Papa, ce que je te propose, c'est que je vais prendre mon relève pitch. Et si tu peux juste voilà, aller sur le green et filmer les balles et en même temps montrer un petit peu la beauté du trou. Si tu peux euh, tourner la caméra vers le départ pour que les gens puissent voir. Ah, donc ce trou-là est vraiment un trou magnifique parce qu'on a une belle vue. J'aime bien le dessin du trou. Il est, assez, euh, il est assez technique sur la mise en jeu parce que le fairway est étroit. Mais quand on arrive sur ce green et qu'il nous reste un putt de 4 mètres pour le eagle. 1, 2, 3, allez, 5 mètres. 5 mètres pour le, pour le eagle. Je peux vous dire que là, on est très très content parce qu'on sait qu'il y a le 19e trou qui nous attend. Et vous savez, euh, même si on fait une mauvaise partie... De Bien terminer sa partie, c'est toujours sympa. Donc, je vais la jouer rapidement hein, pour le but de cette vidéo. Donc, euh, hop, j'ai un léger putt gauche droite. Là, c'est vraiment pour le plaisir, les amis. Gauche droite pour le fois qu'il arrive. C'est un birdie assuré, donc je vais me mettre à donner. Pourquoi je vais me mettre à donner Là, on part un peu de stratégie de match play maintenant. Si je joue contre le Lewis, qui a joué un peu plus de façon sécurité. Si je m'assure le birdie, je lui mets toute la pression à lui derrière. Donc, lui, je sais que quoi qu'il arrive, il faut qu'il rentre son pote à, à, à la même distance que moi pour juste faire égalité. Vous voyez Donc, évidemment, je vais chercher le eagle. Mais quoi qu'il arrive, je vais me mettre à donner. Ça va être ça qui va être important. Hey ah un bon petit eagle sur le trou numéro 18, c'est bon ça Donc lui, hey, bye bye Il n'a plus aucune chance de gagner. Parce que du coup, le eagle, évidemment, ça bat le birdie. Donc, euh, donc celle-là, on va la ramasser. Est-ce que j'ai fait un petit pitch sur cette... Euh... Ouais, j'ai fait un petit pitch à l'entrée là. Pour ceux qui nous regardent, soyez. Euh, je sais que j'ai pas besoin de vous le rappeler, hein, mais au cas où... Quand vous retrouvez vos parcours, votre parcours préféré, les, les greenkeepers ont travaillé tellement dur pendant le deuxième confinement et le premier d'ailleurs pour, pour que vous puissiez retrouver des beaux parcours. Donc prenez le temps de relever les pitchs, remettre les divots. Euh, ça fera plaisir aux, aux joueurs et c'est juste l'étiquette qu'il faut respecter, ok Un grand merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. Un énorme merci à Garmin, qui est le partenaire officiel de cette vidéo avec Golfplus.fr. Si vous souhaitez connaître toutes les spécificités du meilleur copilote que vous pouvez avoir sur votre bras gauche, allez regarder sur golfplus.fr, vous tapez la Garmin S62 et là vous aurez toutes les options possibles. Il y a plein de choses que j'adore sur cette montre, je l'ai depuis quelques semaines maintenant. Le truc qui me rend, qui, qui me rend le plus fou, c'est euh, la batterie. C'est complètement dingue. Je l'ai chargé une fois et en une semaine, j'ai pas eu besoin de la recharger. Et ça c'est complètement dingue parce que la montre que j'avais auparavant, il fallait que je la recharge une fois par jour. Donc ça c'est complètement dingue. Ce qui est top, c'est que là on va aller boire un verre avec mon papa et je peux payer avec Garmin Pay. Donc là, je vais aller au, je vais aller offrir un petit chocolat chaud au papa <laughs> parce que pour le remercier pour avoir filmé cette vidéo. Les bars sont fermés. Les bars sont... Ah oui, c'est vrai, les bars sont fermés. Emporté. Ben voilà. Ils font les, ils font les, les, les chocolats chauds. Mais quoi qu'il arrive, je vais pouvoir payer avec Garmin Pay. Donc, toutes les spécificités de la montre sur golfplus.fr. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.